allez-vous? Alors, je vais pas parler très fort parce qu'il y a Zéliana qui dort à côté, donc on va éviter de la réveiller super tôt. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. Comme d'habitude, comme tout ce qui se passe dans ma vie, à chaque fois je dis que c'est spécial, mais tant mieux, vaut mieux la voir la vie comme ça que trop ennuyante. Je vous emmène avec moi pour un petit vlog. Alors, ce sera pas une journée dans ma peau ou un truc comme ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est pas une journée comme d'habitude. Je vais pas faire les mêmes choses que d'habitude. Je suis censée me reposer. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas pris de journée de repos et je suis très fatiguée parce que j'ai enchaîné les interviews, des montages super difficiles, dont celui de Gartic, c'est moi qui fais le montage. Et il a été très très long à faire. Là, j'ai vraiment passé plusieurs semaines à 500 à l'heure et je suis très 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 fatiguée. Du coup, aujourd'hui, c'était censé être mon jour de repos, mais j'ai pas le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est pour éviter de trop travailler vu que je suis claquée, je vais passer la journée à organiser mes futures semaines parce que c'est un peu la cata, j'ai des événements à droite à gauche, donc il va falloir que je m'organise. Et là, je suis en retard dans tout, vraiment dans tout. Je pense même qu'il va peut-être pas y avoir 2 vidéos la semaine pro. Je sais pas, on verra bien. Mais surtout, c'est une journée un peu spéciale parce que ce soir, il y a Léane qui vient à la maison. Pour ceux qui ne savent pas, Léane, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux suite à l'interview qu'on a faite avec elle, que je vous mettrai là. On s'est rencontrés sur les réseaux, on a fait cette interview et en fait on est devenus amis au fur et à mesure du temps. Et c'est la première fois qu'on va se voir, donc elle va venir à la maison pour 5 jours je crois. Voilà, donc elle arrive ce soir. Et Léane aussi c'est la personne qui m'aide sur les messages de mon compte Instagram. Parce que je peux vraiment pas les gérer toute seule, donc elle m'aide beaucoup beaucoup pour les messages. Mais aussi, je me réveille et nous sommes actuellement 99 600 sur la chaîne YouTube, les gars. Petit screen comme ça, je vous le mettrai. Putain, mais j'ai un oignon sur la tête à la place d'un chignon, c'est pas grave. C'est-à-dire que dans 400 abonnés, on a atteint les 100 000. C'est énorme. Alors j'en ai rien à foutre. J'en ai pas rien à faire d'avoir 100 000 abonnés. Pour la simple et bonne raison que je ne réalise pas du tout en fait ce que ça fait. Moi je suis pas du tout dans les stats. En fait je suis plus dans les stats, en mode je regarde le watch time, je regarde si les vidéos que je sors continuent à plaire parce que j'ai vraiment peur que ça s'arrête. Et donc je suis un peu accro aux stats à ce niveau là, à voir si ça plaît toujours, ça plaît toujours. Mais qu'on soit 5000 personnes à qui ça plaît ou 100 000 personnes à qui ça plaît, je m'en fous un peu quoi. Je préfère être pas beaucoup mais que ce soit une bonne commu et donc c'est pas le chiffre qui fait que, mais il y a tellement de gens qui ont commencé à me dire ouais bientôt 100 000, bientôt 100 000, même Léane, ça fait 2 semaines, elle compte les abonnés tous les jours et tout ça, que en fait ça m'a fait réaliser que c'est énorme. Moi je réalise pas du tout en fait, avoir le plus gros nombre d'abonnés c'est vraiment pas mon but, je préfère avoir une petite commu qui est investie, voilà. Mais c'est vrai que du coup j'ai un peu réalisé ce que ça faisait, 100 000 personnes, étant donné qu'on a commencé les vidéos il y a vraiment vraiment pas longtemps les gars, genre on a commencé à publier 2 vidéos par semaine régulièrement. Il y a 2 mois. La première vidéo qu'on a sortie sur YouTube, c'était en novembre. On a sorti une autre en décembre et une autre en janvier. Et à partir de janvier, on a commencé à en faire. Donc ça fait vraiment pas longtemps, en fait. Donc je suis un petit peu... Enfin, j'ai pas eu le temps de me rendre compte de ce que ça faisait d'avoir autant d'abonnés, quoi. En tout cas, on est bientôt 100 000. Une grande famille. Ça me fait chaud au cœur. Parce que... Là, je vous aime fort, quoi. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et on espère vraiment, vraiment que Léane sera là pour... le moment où on va passer les 100 000, mais elle m'a parié que non, elle serait pas arrivée. Moi, je lui parie que si, elle serait arrivée. Enfin, à la base, je lui pariais, mais parce que hier, quand je suis allée dormir, j'avais 99 200. Et là, je me réveille ce matin, j'en ai 99 600. Donc ça allait vite. Léane. Aujourd'hui, je vais voir Léane, j'ai trop, 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 trop hâte. Je pense qu'on va aller se faire un petit resto ce soir. Moi, je vais organiser un petit peu mes semaines à venir parce que c'est le carnage. Du coup j'ai mon petit agenda pour pouvoir m'organiser un petit peu mieux et je vais essayer de planifier un peu le mois à venir parce qu'il va être très 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 chaud en temps. Ah, oh là là, j'étais en train de faire mon truc et là je me suis dit mais comment je vais m'en sortir? Et j'aimerais bien pouvoir pousser les heures et avoir plus que 24 heures dans une journée parce que là ça commence à être compliqué. Parce que du coup, le 26, 27 et 28, je ne suis pas là. Le 2 juillet, les boîtes de nuit réouvrent, donc je vais pouvoir aller travailler pendant 3 jours. J'ai plein de trucs de prévu et je ne sais pas en fait comment caler tout ce que j'ai à caler à l'intérieur. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai demandé à Léane si elle pouvait m'aider lundi à monter au moins une de mes 2 vidéos. Elle m'a dit oui, donc
merci Léane, parce que je ne sais pas comment je m'en serais sortie, étant donné que j'ai... Ouais, en fait, pour l'instant. Vous voyez mes cernes? Genre le tour de mes yeux, c'est une catastrophe, je ne dors pas les gars. Ce matin, je me suis dit, je suis tellement fatiguée que je vais faire une grasse matinée et je m'organiserai l'après-midi, mais... Et là, en fait, ce matin, j'ai encore pas réussi à dormir, alors que je m'étais calée cette matinée pour dormir, notamment à cause des travaux, mais aussi du fait que je dors mal de toute manière. En fait, c'est pas nouveau. Donc, du coup, voilà ma gueule, quoi. Et ça me saoule. Mais je suis tellement pâle que, du coup, vous voyez toutes mes cicatrices. Parce que ça, c'est pas des boutons, hein, vous voyez. Tout est lisse, mais la peau pâle, bah, ça fait qu'on voit tout. Ah, c'est chiant. Bon, faut que je m'y remette, là, parce que... Vous voyez, je suis en train de vous parler de mes boutons. On sent carrément les fesses et j'ai à peine avancé. Il y a des jours comme ça. Bon, du coup, ça fait vraiment un bout de temps que j'y suis et j'ai fait que ça parce qu'en fait, c'est pas juste organisé. Il faut que je pense aux idées de vidéos, tout ça. Donc là, ouais, je vous spoil, il y a une vidéo sur le TDAH qui va sortir. Une vidéo avec Léane, tout ça, mais voilà. En gros, il faut que je trouve des idées, que je les mette, que je les case et surtout que là, tout ça, c'est des moments où je peux pas être là. Parce que je suis pas là, là non plus je suis pas là, donc j'ai beaucoup de montage à faire. Donc voilà. Oui, je sais que je suis censée travailler, d'accord. Mais en fait, je suis en train de parler sur Discord avec vous et je trouve ça plus intéressant. Je suis en train de discuter sur Discord avec les Patronus. Les Patronus, pour ceux qui savent pas, c'est les surnoms que j'ai donnés à ceux qui sont contributeurs sur le Patreon. Et on a un petit serveur Discord privé, enfin un endroit privé sur Discord pour parler. Et du coup, je suis en train de papoter avec vous. Et en vrai, regardez, de loin comme ça, vous voyez pas ce qui est écrit. J'ai réussi à organiser 2 semaines et presque 2 mois. J'ai organisé tout ça. Mon agent pète les plombs parce que je me repose pas assez et que je vais burn out un de ces quatre. Donc voilà, et je sais pas pourquoi je ferme parce que j'ai absolument pas fini. Pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir un truc déjà tout organisé, genre un truc qui tombe du ciel comme ça? Comme ça, je sais juste ce que j'ai à faire. J'ai pas à organiser ce que j'ai à faire pour le faire. C'est encore plus de travail que de le faire. Pendant que je fais ça, je regarde les vlogs de Léane. Léane, tu as précisément, oui précisément, 300 abonnés pour arriver. Donc dépêche-toi. Là, c'est pas en mode t'as 2 heures pour arriver ou quoi que ce soit. Non, t'as 300 abonnés pour arriver. Donc, dépêche-toi. There goes the cricket that I see each morning. Ça va, Toutou? Non, il est... Il est... J'ai pas d'adjectif, là. Il ne dort pas. Il n'est pas posé, parce qu'il n'a pas l'air du tout posé. Enfin, ça a pas l'air très confortable, quand même. On dirait qu'il est malade. Tu es fatigué? Fatigué lui-même. Bah tu m'étonnes. Ah, il est trop mignon. La tête qu'il a. Oh, il est trop chou. Il est instagrammable, mon chat. Là, vous voyez comment il en fout partout? Dites-vous que ça, c'est tous les jours. Tout, il ne sait pas manger, ce chat. Ah, mais me regarde pas comme ça, c'est la vérité. Hein. Tu sais pas manger. Je me suis dit que j'allais un petit peu dessiner pour me reposer. Bon, je sais pas où le vent me mène, j'ai pas pris de modèle ou quoi que ce soit, j'ai juste commencé à dessiner et je verrai ce que ça donne. Bon, les gars, what? On était à 99 400 tout à l'heure. On peut se calmer, s'il vous plaît? Parce que là, Léane, elle n'est pas encore arrivée, en fait. Elle va arriver, Léane, là.
Mais elle n'est pas encore arrivée, d'accord? Donc on va se calmer. Moi, j'ai pas encore pris ma douche. Du coup, voilà mon dessin. Ah, il y a du bruit dehors, désolée. Avec petit pouc-pouc. Bon, après, j'ai pas encore mis la couleur. Mais parce que j'ai plus de peinture, j'ai plus que 3 tubes de peinture et je m'étais dit vas-y, je vais le faire en 3 couleurs, mais j'ai pas envie de gâcher mon dessin. Oh, des 4x4. Bon, du coup, j'ai été à la douche, c'est bon, moi je vais aller me préparer, me maquiller et après il y a Léane qui est censée arriver. 99 972 abonnés. Fait beaucoup de monde quand même. Il fallait que ça arrive à ce moment-là. 99 998. Bon les gars, ça va plus là. Est-ce que je peux prendre mon tel s'il te plaît là et enlever la musique? Oh. Ok, bon bah voilà. Archi chaud, my god. Je vais faire une capture d'écran tout de suite. Hop. Et voilà. Oh my god. Bon bah ça fait une grande famille quand même hein. Elle a pas voulu marcher. J'ai voulu faire genre c'était une bougie. Ça fait beaucoup de monde quand même. Bon bah voilà, c'est un truc de ouf. Du coup bah je suis repassée devant. J'ai toujours Luna avec moi je pense. Tain voilà, bon bah c'est chaud. I'm shocked. Bon, j'ai vraiment presque plus de place sur ma carte mémoire, donc il va falloir que je la vide. Donc je vais juste finir mon maquillage avant. Voilà. Bon voilà, j'ai fini mon make-up. Voilà. Et du coup, on a reçu enfin les deuxièmes batteries pour l'appareil photo. On a que une batterie pour, et c'est une vraie galère. J'espère que ça va le faire. Bon, c'est l'heure d'y aller. Je vais aller chercher Léane. Je vais aller chercher Léane à la gare. Donc voilà. Je suis sûre que je suis en retard, mais c'est pas grave. Vous avez ma coiffure là. Bref. C'est tout, je sais pas si je vous amène avec moi. Enfin, si je vais peut-être vous amener avec moi. Oui, je vais quand même vous amener avec moi. Bah, c'est parti. Mais j'ai pas pris mon sac. Je sais pas quel sac prendre. Est-ce que je prendrais pas le sac jaune? Bestini Paris, bientôt, j'en fais une vidéo. Je vais vous poser. Voilà, il me faut ça. Comment ça, j'ai pas... Non. Ils sont où? Alors, oui, il y a les poubelles derrière. Faites pas attention, faut que je les descende en même temps. Mais juste regardez mon outfit. Là, il y a des lunes. Là, il y a des lunes. Petit sac jaune. Avec les chaussures jaunes. Voilà. Je suis vraiment trop jolie. C'est tout. Allez, on va chercher Léane. C'est pas Léane, elle s'est fait recale par le truc. Elle s'est fait recale par le truc, le ticket il a pas voulu passer. Regardez ce qu'elle m'a ramené. Elle m'a ramené un truc pour enlever les poils des vêtements parce que Pookie ici c'est devenu une deuxième couche ses poils, donc c'est trop génial en fait. Elle m'en avait parlé et ben, je pense que c'est pour la blague du coup. J'aime trop. Et surtout, elle m'a acheté les fruits de la passion. J'aime trop les fruits de la passion. Mais genre vraiment beaucoup trop. Ils tombent tous. Ah. Coucou. Mais j'ai envie d'en manger un, mais non, faut qu'on aille manger. Ouais. Vas-y, viens, on va aller manger. Oui. Elle veut me donner un truc encore. Oh mais c'est trop bien, j'ai l'autre. Et tu sais que mon chat, j'adore. Il arrêtait pas de le piquer dans ma valise. Il la voyait courir avec dans l'appart alors qu'il est même pas déballé. Pookie,
Pookie. Mini, mini. En vrai, on pourrait passer là-bas, mais j'ai la flemme. On va faire le tour. Ça va durer longtemps. Ta barbe. Bon, alors, du coup, on est... Bah du coup, je te laisse le dire. Chez McDo. Yes. À table. T'as une carte mémoire de combien de gigas? 32 gigas. Et ça va ou pas? Tu dis ça va ou pas? Le quoi? Les 32 gigas, c'est suffisant pour la carte mémoire? Bah en vrai c'est suffisant. Faut juste que je la vide régulièrement, tu vois, mais je la remplis pas. Hein. Même à Marseille, je l'ai pas remplie. Tout à l'heure, j'étais embêtée parce que j'avais plus de place. Ouais. Mais en même temps, j'avais laissé des parties de Gartic Phone et tout dessus. Ah ouais. Donc, et en vrai, ça passe. C'était plus au niveau de la batterie que c'était short, mais du coup, j'en ai acheté deux autres, donc j'en ai trois maintenant. Maintenant, c'est bon, j'en ai trois. Comment tu la guettes? Pardon. Moi, j'aime bien Chouchou. Tu l'as regardé passer comme as. J'ai dit la guette. Tu utilises quoi comme palette de maquillage? Là? Ouais. C'est une de Duty Bay qui est Azeliana. 1, 2, 3, 4. Oui, je les compte. 1, 2, 3, 4. T'en manges une et tu leur dis que t'en manges plus? Non, mais il y en a 10. T'en as... c'est un pack de 9, t'en as 10. Oui, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aujourd'hui, je te jure, c'est mon loto. Jour de chance. Entre temps, c'est le seul ticket de métro que t'as qui marche. Il est pour toi. Il est pour moi. Là, j'ai 10 nuggets sur une 9. Ils sont verts les tabacs. Je vais aller chercher un billet de loto. Ah non, mais vraiment. Putain, elles sont dégueulasses quoi. Elles sont pas salées. Quand j'étais au Canada, genre, il y avait un truc de ketchup comme ça. Et en gros, je jouais avec. Et le truc, il m'a explosé à la figure. Il y avait ma mère à côté et tout. Et ça allait dans mes yeux. Et genre le sel qu'il y a dans le ketchup, ça me brûlait. Et je pleurais. Ma mère, elle m'engueulait. Elle me fait: mais qu'est-ce que tu fais à jouer avec du ketchup et tout, machin. Mon frère, il était mort de rire. Bref, du coup, j'ai fini dans les toilettes. Ça fait trop mal. Ça brûlait, c'était horrible. Mais tu m'étonnes. C'est là, genre, stop. En plus, on m'avait déjà dit d'arrêter de jouer avec, mais tu sais, on n'écoute pas. Voilà. J'ai mangé ça avant parce que si je mange des nuggets froides, c'est pas grave. Mais ça, froid, c'est pas bon. Donc, tu vas réussir à tout manger? Bah oui. Non, je pense pas. Mais je les ramènerai à la maison, c'est pas grave. On est 500 000 dans ma tête. Il y a la Mathilde. Il y a Jay. Lila. Lily. Peut-être même Neige. Je sais pas. Je lui ai ramené des stickers. Oui. Je crois qu'il y en a genre 100 ou 500. Je les ai commandés. Ils sont arrivés ce matin. J'étais trop contente qu'ils arrivent à temps. Je sais pas s'ils lui plairont, mais. Trop bien. Je suis contente, il y a personne qui a dit des saloperies au sujet de Neige par rapport à la vidéo. Ouais, attends, t'imagines si elle allait dire. Enfin, elle était là, elle faisait rien, elle jouait, elle était mimi. Genre, il faudrait vraiment être un connard pour ouvrir sa bouche pour ça. Bah genre si, une bonne partie de la vidéo, ouais. Mais quand même. Mais c'était mélangé, tu vois. Ouais. Tu sais, elle était pas genre trop sur la caméra quoi, elle était dans son jeu, genre. Mais au pire, je m'en fous, genre. Neige, elle était trop contente de participer sur la vidéo. C'était la réunion des Little, cette partie. Ah ouais. Oui. Il y avait trois Little dans la partie. Je m'en souviens, enfin la partie où j'étais là, il y en avait un autre. Il faut que je l'appuie, elle va être trop drôle celle-là. Du coup, elle va être montée par un monteur. Ouais. Putain, mais t'as 100 cas quoi. Trop bizarre. Incroyable. Trop bien. Mais en fait, c'est pas bizarre en fait. C'est en si peu de temps. Ouais, ça c'est incroyable. Parce que vraiment sur YouTube, c'est un réseau social où contrairement à Instagram ou TikTok où ça peut aller vite. YouTube, c'est une grosse galère. Genre ça fait 2 ans, on va dire, que je suis dessus, je suis à 3 carrés. Ou après, peut-être que je fais de la merde, qui sait. Mais. Non mais en fait, il y a toute une communication derrière. Mm-hmm. C'est ça le truc. Ouais. Genre tu peux pas être sur YouTube et que sur YouTube c'est une grosse personne. Et tout. Voilà, j'ai eu la chance de me faire connaître par TikTok. De base, tu faisais quoi sur TikTok, toi? Alors, à la base, en gros, j'ai regardé tous tes TikTok, même les premiers, mais bon. En gros, j'ai installé TikTok au premier confinement. Je faisais des TikTok comme ça, et je me suis appelée Fille de la Lune. Comme ça, personne n'allait me retrouver. Peu importe qui tapait mon prénom, personne n'allait me retrouver et tout. Et en gros, je faisais juste des TikTok comme ça, quoi. Et après, il y a eu Lucie qui a fait ses vidéos. Et à partir de là, bah... Et de base, quand tu faisais tes petits TikTok normales, tu t'es...
J'avais genre 4000 abonnés. Ça me quand même, hein. Et après, je suis passée à 50 000 en une semaine. Mais j'adore TikTok, mais je sais pas faire. 50 000. Là. J'ai atteint 250 000 abonnés sur TikTok aujourd'hui. J'ai vu dans ta bio Insta. Genre 250 000. Alors que genre je fais plus de TikTok. Presque. Donc ça continue d'augmenter, on sait pas pourquoi. Venez sur YouTube les gens. Bon, du coup les gars, on est rentrés après le McDo. Je suis en train de me démaquiller. Voilà, on est copines de t-shirt. Oui. De pyjama. J'ai Dumbo. Et moi j'ai Bambi. Voilà. Donc petit démaquillage et puis après on va se poser, on va blablater. Là, là en fait, je vous explique, j'ai quit switch, enfin j'ai switch avec plein d'alter aujourd'hui. Ah ça ils ont été presque tous là. Il y a eu Lucifa, Lucie, Luna, Anna, Jay, Neige. Moi j'ai vu Luna, Neige. Ouais. Un peu Jay. Ouais. Bah Lily. Ouais. Forcément. Donc bref, voilà, fin du vlog aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de positif? Je suis arrivée. Alors, bien sûr, Léane est arrivée. On a atteint 250K sur TikTok. On a atteint 100K sur YouTube, les guys. On est des youtubeuses à 100K, nous. 100K, donc ça veut dire qu'un jour, je vais avoir ma plaque. Donc truc de ouf. Et voilà quoi, c'était vraiment une bonne journée. Puis on a mangé chez McDo, donc c'était cool. Voilà, donc je vous fais des très très gros bisous. Enfin, on vous fait des très très gros bisous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.